pu être remportée aux côtés des Alliés. Et je voudrais, de ce point de vue-là, aux résistants, et aux résistants de toutes origines, de toutes confessions, de toutes tendances politiques, qui ont joué un rôle déterminant dans la libération de notre pays. Elle le doit aussi à la première armée française, commandée par le général Delattre de Tassigny, qui ont joué un rôle essentiel dans la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais il faut reconnaître qu'en 1945, cette fête de la liberté, politiquement, qui sont mal logés, qui sont mal nourris, qui sont victimes ou parfois bénéficiaires du marché noir, elle est aussi cette fête attristée pour les femmes tondues. En somme, montre que cette France de 1945 est une France qui a souffert, mais qui en même temps espère. Et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que dès 1945, cette France reprend vie. Et en même temps, beaucoup d'autres se préparent et forment notre avenir. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir en somme de 1945, c'est que grâce à la liberté, à la démocratie retrouvée, eh bien nous pouvons aujourd'hui construire la présence qui permet à nos enfants d'espérer un avenir meilleur. Merci. Messieurs les porte-drapeaux, messieurs et mesdames, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les élus municipaux, départementaux, merci d'avoir invité. Du don du sang bénévole de Saint-Maur. Aux morts.
Repos. Qui, en dehors de sa mort, subit des attaques à la fois injustifiables et injustifiées, je remercie également le Conseil municipal. Yeah.